Nous avons un face-à-face entre les militaires irakiens et les militaires du Kurdistan. Ce genre de situation engendre, en cas de problème, une véritable lutte entre les deux parties. Je pense que si ces questions ne sont pas résolues, ceci peut conduire à des problèmes plus importants, y compris des conflits armés, ce qui peut entraîner, je pense, l'éclatement de l'Irak et la déstabilisation de la région. Nous invitons tous les hommes politiques à s'asseoir autour d'une même table afin de dialoguer pour résoudre nos problèmes par le dialogue et non par la guerre. Nous en avons assez de la guerre et de la destruction. Il y a des choses embrouillées, complexes et imbriquées que personne ne peut résoudre, à moins que Kirkuk devienne indépendante, gérée d'une manière équilibrée par toutes les parties à travers un consensus.